zami auditeur. Donc moun sa yo yo prend décision ça c'est parce que et pas gen gaz. Bon di ba lan l'autre gens. Est-ce que c'est gaz qui pas gen ou bien c'est marché noir? Ça passé non ay ça. Monsieur Damio qui était financé campagne Jovenel Moïse. Je pas contenté seulement David Douce, oui Boris Kenton, 2012. Je pas contenté seulement pour yo gagner monopole gaz là parce que yo c'est l'état qui a monopole gaz là. Donc yo demandé pour Jovenel Bayo monopole là, Jovenel Bayo monopole gaz là. Puisque c'est un gain monopole gaz là qu'on y a là, mais l'état toujours subventionné gaz là. Eh bien, yo tient à ce que pour Jovenel Moïse monte gaz là. Et si Jovenel Moïse monte gaz là, Jovenel Moïse tout tombé. Même si c'est Tonton Sam qui met Jovenel, mais cette fois-ci, Tonton Sam pas caclé ben Jovenel Moïse. Jovenel Moïse comprend ça. Maintenant, 258 000 barils, 258 000 barils gazoil, ouais, ça c'est le gasoline, diesel, etc. Et kérosène rentré dans le pays depuis la semaine dernière. Toujours pas de gaz. Toujours pas de gaz. Distribution a fait passer par là. Toujours pas de gaz. Qui ça a fait? Eh bien, les gens qui ont monopole gaz, ils ont tonne la nuit, vendent les gens gaz dans le room pour les gens qui ont marché noir. Mais ça, ou même, ou pral acheter galon gaz là à $150, d'un côté, ou acheter galon gaz là jusqu'à $200, 1000 goud. Ok? Bon, bon, rentrer dans hier, qui c'est réouverture officielle des classes. T'as coûté tant de la nouvelle là hier soir, gagné en pile côté, en pile région en Haïti, qui était en ébullition. On prend par exemple les CAI. Depuis dimanche, population CAI la campé, au CAI campé. Depuis dimanche, caoutchouc a boulé, tout hier, caoutchouc a boulé. L'école, activité l'école là, l'île censée paralyser. L'on va aller dans le haut plateau, dans le riche, bas plateau, dans le mur balai. Ok? Manifestation. Mais balai dans le riche même, t'es gagné yon. T'es gagné Matissan, non hein, t'es gagné yon messe qui t'a fait son tradition lié gen des régions en Haïti avant l'école là l'ouvri yon chante messe et pour timoun yo etc. Ah manifestant yon rentré dans messe là donc malgré paix à parler pas de moral encore pas grand rien dans pays y a tout pas fini. Pas de morale encore en Haïti. Et Port de Paix, c'est une manifestation. Celui du Nord, c'est une manifestation. Et Port-au-Prince, c'est une manifestation. Donc, l'école là, hier, t'es paralysée. Vous voyez toutes les classes. Ok? Il y a tous ces tensions pour te gagner en Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est la réunion des députés et des sénateurs en une seule chambre. Ok? Ils ont réuni dans une seule chambre. Ok? C'est ça qui est bon, l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a fait hier, côté que. T'es gagné en soixantaine. Ouais, en soixantaine députés. Et t'es gagné tout 16 sénateurs. Donc, ils ont procédé à clôture deuxième et dernière session. Année législative 2019 là. Alors, ou t'as qu'à dire que député yo allé en vacances. Député yo allé en vacances, en temps normal,
Kounya la, depite yo tap rale nan kampay. Parce que si yo tap le réélu, si en kampay yo tap rale la, élection te gondwa tap rale fèt nan mois d'octobre ou bien novembre, et puis, deuxième lundi du mois de janvier 2020, tap rale gagne 51e législature la ki tap rale rentre en fonction. Tel n'est pas le cas parce que nous avons un contexte qui vraiment difficile. Un contexte politique qui est vraiment difficile en Haïti. Une conjoncture que j'aime vivre de ma vie politique en Haïti. Donc hier, député, il est allé en vacances, mais il n'y a pas de trop espoir à retourner. Alors, il faut que nous disions que Jovenel Moïse gagne prérogative avant deuxième lundi du mois de janvier 2020 pour convoquer député en session extraordinaire. Et il y a une grande différence entre session ordinaire, là nous l'avons, bon, pas seulement langage parlementaire, jargon parlementaire, mais les valables tout pour parti politique, pour organisation. Donc, il y a une session ordinaire, une session extraordinaire, tout comme une assemblée ordinaire, une assemblée extraordinaire. Donc, là, nous avons une trois explications. Ordinaire, là, c'est l'ordi ordinaire. Vous connaissez chaque janvier, on fait le bagage, chaque février, chaque mois. Ok, une réunion, ça, c'est ouais, ordinaire. Mais extraordinaire, c'est en cas où il y a une nécessité, il y a une urgence, laisse ça, on va l'entrer dans. Extraordinaire. Ok, mais les étudiants, ils comprennent ça. Donc, étudiants, ils comprennent ça. Bon, tout, deux mots, ça, ils expliquent peut-être. Ordinaire et extraordinaire. Ok. Cependant, si Jovenel Moïse n'a pas convoqué député en session extraordinaire, eh bien, député y allait. Il faut aller. Et même s'il convoqué en session extraordinaire, il y a toujours aller. Deuxième lundi du mois de janvier. Mais ça, vous avez un gros vide au niveau du Parlement. On est habitué à ça déjà parce que c'était sous Préval. Oui. Tu as gagné un cas de figure comme ça. Côté hérité, deux tiers dans le Sénat. Mais pas de bien chambre de députés. Pas de bien chambre de députés. Donc, on est habitué avec quatre des figures, ça. Mais cependant, dans le contexte politique, je dis, il est beaucoup plus difficile que ça qu'on est habitué. Yo. Parce que quand on avait un nom sous Préval, nous pas dit stabilité sous Préval, mais instabilité a pas dans niveau que li aujourd'hui a. Vous êtes d'accord avec moi? Instabilité a sous le Préval, li pas dans niveau que li aujourd'hui a. Instabilité politique là, instabilité sociale là, instabilité économique là, li pas dans niveau ça. Maintenant, n'a dit ça depuis avant dans l'Haïti, me dit Jovenel Moïse pas qu'à faire élection. Je te dis ça. Conseil électoral provisoire qu'il a, d'ailleurs, décrit et tout. Lui-même, tout, il doute techniquement élection pas possible. Vous savez, il y a parlé, même Blanc, tu as parlé des élections et en octobre, etc. Nous, au mois de septembre, élection pas possible. Ça veut dire, on peut arriver, deuxième lundi du mois de janvier 2020. Pral gon grand vide institutionnel. Pral gon grand vide institutionnel. Donc, Jovenel Moïse pral dirigé par décret. Mais, on va aller plus loin. On nous vole Antikras plus haut. Est-ce que même depuis tête calée ça, qui vient faire réglage, parce que c'est le législature qui pipiète, puis corrompu tout. Là, il vient faire tout comme ça avec Jovenel. Et même encore,
qui a besoin de retourner sous pouvoir, qui a besoin de député, etc. Parce que bah, là, son souci, en plus, là, on va lever contre Jovenel. On va monter tête population contre Jovenel. On va dire que le pape d'accord pour Jovenel vient diriger par décret là. Ok? Et là, on va diviser lui. Et là, on va diviser lui. Je vais nous fixer sur janvier 2020. T'as oublié, député va aller en vacances. Nous disons, Jovenel Moïse est capable de vous convoquer en session extraordinaire. Mais moi-même, c'est Bois Pivot bien. Qui est-ce? C'est Bois Pivot ou bien Grand Prémoné qui dit loin plus loin? Par contre, on a de vous. Grand Prémoné est marché, mais Bois Pivot dit loin plus loin. Eh bien, c'est Bois Pivot. Moi, je suis loin. Moi, je suis loin. Nous avons eu une crise. C'est pendant que nous avons le mois de décembre. Le mois de décembre, nous avons eu un calme apparent, comme d'habitude. Vous connaissez, le mois de décembre, c'est moi, la famille, ouais, c'est moi, fête. Toujours eu un petit calme apparent. Mais, nous avons quitté le mois de décembre pour entrer en janvier 2020. Je garantis. Et là, bon, pas grand-chose du tout, il y a eu un calme apparent le mois de décembre. Alors, je vais essayer d'écrire pour nous-mêmes. Ça me sent que je passer dans le pays. Ça me sent que je passer dans le pays. Parce que le pays est ingouvernable. Il y a un plus gros problème pays, c'est le pouvoir, son pouvoir gangster. Parce que c'est le pouvoir qui fait, qui bat gang aux âmes, qui crée gang même. Bien, jeune garçon qui pas de jambe, en gang, m'attendez. Par exemple, jeune garçon dans Petite Rivière la Tibonite, cap dit c'est un député qui mettait des âmes dans le main. Et il va là pour l'excité soleil. L'excité soleil, qui est-ce qui mettait des âmes dans le main? C'est la bourgeoisie. La bourgeoisie, secteur privé des affaires. Pour capable de gagner, parce qu'on connaît un monopole en la cité, il faut que vous armez si vous êtes petit pour la sécurité. Ou bien Boulos qui a entré dans la cité à enlever. Boulos, alors, il fait des bails dans la cité à tout. Ok? Maintenant, quantité de zam qui sont là, oui, ça, en Haïti. Quantité de zam qui en circulation, zam illégal en Haïti. Donc, c'est tête chargée, zam auditeur. Non, cérémonie. Et nos séances hier là, séance solennelle là. Bon. Et quand t'as fait président Sénat, monsieur fait un bel discours. Mais monsieur là son mise en garde. Monsieur dit pas de fin mandat en 2020. Alors, ça c'est pour les sénateurs. Il dit tous les sénateurs doivent siéger au Parlement pendant 6 ans. Tous les sénateurs doivent siéger au Parlement pendant 6 ans. Dixit. Calmez-vous à Cantave, mais pas oublier, calmez-vous à Cantave. Tout. Il est supposé parmi les sénateurs qui doivent aller. Pourquoi c'est Yuri la tortue et Gracia Delva, c'est eux-mêmes qui là pour 6 ans. Et Kamiya Kantav est là pour 4 ans. Et le mandat de Kamiya Kantav est là pour fin. Deuxième lundi du mois de janvier. Et même M. Dil ne peut pas aller. Il ne dit pas aucun sénateur pour aller. Mais dans ce discours-là, il reconnaît que la Chambre des députés a un bilan mitigé. Un bilan mi-figue, mi-raisin. Même s'il dit c'est les députés yo yo met aller avec tête et tête yo bien vagay comme si yo font travail fini etc., un bon travail dans discours là, mais tout le monde connaît député ça yo et qui ça t'a fait mais yo c'est quoi yo t'a fait. Ouais, c'est une majorité tête baissée, une majorité corrompue, et yo t'a fait quoi le fin faire quoi bio et m'pa quoi nèg ça au carré tourner encore dans parlement.
On t'a dit Bob Setap dit ça. Et qui fait sens? Mais qu'on y a là, est-ce que problème pays c'est problème député sénateur? Bon, pays a dit qu'il doit arrêter sans député sans sénateur. Même président ou parce que pas qu'un président? En réalité, pas qu'un président. En réalité, pas qu'un président dans pays. Pays ingouvernable. Combien de temps Haïti n'a pas qu'un premier ministre là? Bon, s'il y a un deux, et deux premiers ministres, il y a un. Ouais, Haïti est un pays spécial. De côté, où il y a Michel Lapin, où il y a Lapin, qui est toujours là, comme premier ministre démissionnaire, avec toute équipe gouvernementale, toute cabinet ministérielle. De l'autre côté, où il y a Fritz William Michel, qui est cabinet ministériel partout. Ok? L'État guettant a payé frais pour eux. Ça veut dire l'État a payé frais pour Michel Lapin, pour Lapin, avec cabinet ministériel, et l'État a payé frais tout pour Fritz William Michel, avec toute équipe ministérielle. De où est-ce qu'il y a de gaspillage qui a fait dans l'État? Qui réside le gaspillage? Donc, pendant ce temps, parents n'ont pas voulu être à l'école. Grand goût à raide. Mon pays. Pas oublié, moi, c'est 2 mois, 9 jours, je suis fait Haïti. 2 mois, 9 jours. Donc, moi, je vis dans la réalité. Moi, je suis bille. Moi, j'ai toujours vivre les pendant mes sites. Pendant mes sites, moi, je vivre parce que. Vous connaissez, responsabilité nous gagnons et qu'on y a une vie plus grave parce que fond bay ti moun gal l'école yo manger. Vè ti moun nouvo l'école yo fond bay yo manger. Bon, mwen ta men bay yo repas chaud par jour pendant 5 jours. Mais li pa facile pour moi. Li pa facile pour moi. Donc, à ce moment-là, à moins que m'ta fait contact avec PAM, Programme Alimentaire Mondial, et c'est sous ça m'a réfléchi, le conseil avec l'école là. Vous avez nous manger. Vous avez nous manger. Quand il y a des gens, nous avons un repas chaud par jour. Parce que si les gens sont à l'école, ils ne pas manger. Ils ne pas apprendre. Et une condition nous mettons, une condition nous établit, nous disons aux parents, depuis que les gens ne sont pas passés à l'école, nous ne pouvons pas payer l'école pour l'année prochaine. Nous disons depuis que les gens ne sont pas à l'église, tout. Il ne peut pas payer l'école pour lui, ça aussi des conditions. Mais il faut que tout le monde mange. Et par exemple, il n'y a pas rien. Il n'y a pas de moyen. Et ça fait prostitution, il augmente en Haïti. Bon, Gracia Delva.